today is the lady we're gonna go in the flag. We are going to the flag. Today is the day for the lady. Sorry, I'm not taking the picture. I'm not taking the image. Très ravi de savoir que vous êtes nombreux branchés connectés dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Boloa. Au fait, je vous donne la suite du dossier le réfugié congolais résident ici en Afrique du Sud qui, presque une semaine passée, ils ont presque passé nuit devant le bureau de UNHR, le bureau de l'organisation qui s'occupe de réfugiés. Vous avez suivi le reportage que j'étais sur le terrain, on continue toujours à y être pour vous donner le... Donc, finalement, après quelques semaines, quelques jours, ils sont déterminés, les réfugiés sont déterminés à rester là-bas jusqu'à ce que le HSR puisse prendre une solution valable, tangible, pratique pour leur permettre de quitter l'Afrique du Sud. Ils sont vraiment déterminés. Non seulement à Cape Town ici, et c'est pas seulement les Congolais, il faut signaler à tous nos téléspectateurs, c'est pas seulement les Congolais, mais la majorité, ce sont plus de Congolais. Il y a les Bangladesh, il y a les Éthiopiens, les Burundais, les Camerounais, et la plupart des pays africains, leurs réfugiés sont aussi impliqués ou ils ont rejoint nos amis Congolais qui sont déterminés à passer la nuit là-bas. C'est presque une semaine et demie, Bazoula l'a toujours couru. Alors, ils ont dit qu'il faut que l'Afrique du Sud trouve une solution pour qu'eux quittent le pays, parce qu'ils ont dit, selon leur déclaration, que l'Afrique du Sud, c'est un pays xénophobique. Ils ne veulent plus les étrangers dans leur pays. Sur ce, on continue à poursuivre toujours ces dossiers. Et dis-moi, l'ambassadeur de la RDC a réagi par rapport à cette incidence, par rapport à ces problèmes impliquant les gens dormant dehors, les mamans avec les enfants. L'ambassadeur de la RDC, son Excellence l'ambassadeur M. Ben Poko, a réagi au travers de l'une des chaînes des informations ici en Afrique du Sud, NCN, et on lui a appelé à partir de Pretoria. Quelle a été sa réaction par rapport à ce qui se passe à Pretoria et puis à Cape Town, suivant cette interview qui est en anglais, et puis quand je vais revenir, je vais traduire cela. Suivez. To him, and he visited those refugees camping outside their offices. He had offered them to go to facilitate their return to their country of origin or to DRC. But unfortunately, most of them refused. They preferred to go elsewhere. What's happening and what's not being reported is that there are people who recruit our nationals and bring them to South Africa and promising them to send them to other countries, to Australia, to Canada, and so forth. And to me, it's like a part of a human trafficking. They say this, they recruit the young men and they come here with something with their families and so forth with the hope of going elsewhere. And this is not true. Canada is not accommodating any refugees from Africa, nor from the DRC, nor from anywhere. So the High Commission of Refugees talked to our young people who are camping outside, offering them to facilitate their return back to DRC. Now, so we're resisting that. So we're going to be talking to them to have them to accept their return, because President Tshisekedi himself, the President of the Democratic Republic of Congo, has encouraged Congolese to return home. So
so that they can participate into the reconstruction of our country. Now, Ambassador, you've said there these might not be refugees. They might be economic migrants, you're saying, because you're suggesting they're looking for better life elsewhere. They're not political refugees. They're not political refugees because the country is at peace. Nobody is being persecuted in Congo as we speak. The president of the country, President Tshisekedi himself, has encouraged them to return home. But people go overseas for different reasons. Once they come into a different, foreign country, if they don't have a means of survival, of course they present themselves as refugees, which is happening now. So what we're saying is that we're encouraging those young people to accept the offer from the United Nations Commission for Refugees. Voilà, vous avez suivi. En fait, en résumé, l'ambassadeur dit ceci. Je le dis comme il a dit. En réalité, le journaliste lui a posé la question. Est-ce que vous êtes au courant de la situation? Ils sont au courant de la situation. L'ambassade est au courant de la situation. Ils disent qu'en fait, la RDC ou l'ambassade de la RDC n'a rien à faire. Réaction de l'ambassadeur qui est en anglais. Il dit ceci. En fait, ils ne sont pas. L'ambassade n'a pas la possibilité d'évacuer ou de déplacer les gens à un pays que eux veulent. C'est ça ce que M. Ben Poko a dit. Du moins, ils peuvent faciliter le retour, le rapatriement des Congolais au Congo ou en RDC. Parce que lui-même, le président, son excellence Fatshi, le président Félix Tshisekedi, veut que le Congolais retourne en RDC pour la reconstruction du pays. Donc ça, c'est la traduction que je fais que M. l'ambassadeur a dit. Il a encore ajouté un élément en disant que ceux qui s'attendent à aller au Canada ou en Australie ou dans n'importe quel pays, l'ambassade n'a pas ses pleins droits de faire cela. Et ils ne peuvent pas s'attendre à l'ambassade de pouvoir évacuer ce réfugié-là congolais qui passe la nuit en dehors dans le pays qu'eux veulent. Ou plutôt, l'ambassade est disposée à faciliter le rapatriement des Congolais pour le retour de leur pays. Parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, de conflits, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problèmes politiques parce que le pays est en bonne et due forme, le pays est calme. Sur ce, le chairman Papi Soukami, l'ingénieur Papi Soukami, le président fondateur du groupe politique, parti politique, a aussi réagi très fort par rapport à la réaction de l'ambassadeur. Il a réagi aussi en anglais. Ensuite, je suivais cet élément et puis je vais essayer aussi de traduire à cela. Yes, we all will listen it. What the so-called Ambassador Ben Poko talked today from the SABC News. We are very sorry for you, Ben Poko. Me, I thought maybe you are going to say you're going to give the Congolese passport from now, you're going to sell it on $50 as a 600 rand, the way Mobutu left it, because we all know you are the eldest ambassador in Pretoria. You have been ambassador from Mobutu to Tshisekedi. Shame of you. You got many years, they never change you. Something is wrong. How can you come in a democratic country? You are saying such stupidity. You must learn to close your mouth, Mpoko. You have been ruling this country with your friends Kabila, the other side. You have been in corruption. They killed many people in Congo. More than 12 million Congolese passed away. Even last time in Kinshasa, 425 Congolese were killed in Maluku. There never been justice. You know that. People run away from there to protect their lives. Until now, even Tshisekedi is there. There is no change. Tshisekedi doesn't have a member in the parliament. How many ministers he got in the government? He controls nothing. Me, I thought maybe you're going to interview in the South African media to tell them that the flight of Tshisekedi, his aircraft, was shot last weekend by the Rwandese and the Kabila friends, Kabila family. You are saying we go back to build our country. We love that country more than you. You are a guy stealing our money. You're supposed to say that to the South African. You are selling 5,000 rand a passport. That's the reason your people stay here, they're stuck here. Mpoko, you are one of the guys as Congolese, we have to accuse. Because if Congolese are so many in this country,
If there are a lot of economic migrants, because you Mpoko, you are selling too much. It's too expensive, our passport. 5,000 rand. Shame of you, Mpoko. You must learn how to close your mouth. Shame of you. Don't try again your luck next time like this. We are waiting for you in Cape Town. Come to talk to us. We're going to show you the way to talk nice. Thank you. Wow. L'ingénieur Papi Soukami, de KFF, Congolese Freedom Fighters, il est parmi les révolutionnaires, parmi les meneurs, les leaders de ces révolutions, de cette révolution, les Congolais qui sont au niveau de Cape Town et pourquoi pas aussi ceux qui sont en Pretoria, qui passent la nuit devant les bureaux de HR, ils disent que non, ils sont fatigués de l'Afrique du Sud, ils veulent retourner. Il a réagi très fort pour manifester ses mécontentements à ce que l'ambassadeur Mpoko a dit. Il est très mécontent, disant que « Monsieur l'ambassadeur, tu ne connais même pas la souffrance des Congolais, tu ne connais même pas le nombre de réfugiés congolais. Si aujourd'hui les Congolais ne veulent plus retourner, ils ne sont pas là, ils sont pas capables de retourner en RDC parce que le passeport congolais est plus cher, et le passeport le plus cher du monde ou de l'Afrique, 5000 rand. » Où est-ce que ces Congolais réfugiés trouveront cet argent pour acheter le passeport pour retourner au pays? Il a dit, monsieur l'ambassadeur, vous êtes allé au-delà parce que vous ne connaissez pas la souffrance des Congolais, des réfugiés congolais en Afrique du Sud. Si vous n'êtes pas en mesure de d'aider les Congolais à déplacer, à quitter l'Afrique du Sud, tant mieux garder silence au lieu de venir à la télé dire des bêtises, selon ce que l'ingénieur a dit. Ça, ce sont vraiment des bêtises et une humiliation à leur égard en tant que Congolais réfugiés en Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de résoudre d'abord le problème des passeports qui est le plus cher du monde? Voilà pourquoi la plupart des Congolais sont stuck, ils sont bloqués, ils ne sont pas en mesure d'acheter d'abord ces passeports et de quitter l'Afrique du Sud ou de voyager par rapport au prix des passeports. Commencez d'abord à résoudre le problème des passeports et puis par après, tu peux quand même venir solliciter et aider les Congolais. Et ils s'attendaient peut-être que tu vas compatir avec eux, mais voilà ce que vous avez dit. Donc, en un mot, voilà ce que le président ingénieur Papi Soukami a dit en anglais par rapport à la réaction de son excellence M. Mpoko, l'ambassadeur de la RDC, face à ces mouvements. Le réfugié congolais passe la nuit devant le bureau des HR demandant de quitter l'Afrique du Sud et ceux qui sont aussi à Pretoria. Donc les mouvements sont très graves, la situation est très grave ici en Afrique du Sud. Aux réfugiés congolais, ils veulent quitter l'Afrique du Sud. Chers amis internautes, maman Francine Gamet de la Belgique, voilà la situation, le dossier que nous continuons toujours à suivre, c'est là. À la une, nous ne manquerons pas, chers téléspectateurs, de vous donner des updates, de vous informer où en sommes-nous, est-ce qu'ils vont quitter, quand est-ce qu'ils vont quitter, comment est la réaction de la gouvernement sud-africain face à cela, HR, qu'est-ce que HR est tenté de dire jusque-là, pratiquement, pour trouver la solution aux hommes et femmes, les enfants qui passent la nuit dehors. Il n'y a pas de toilettes, la situation sanitaire est vraiment très critique, ce n'est pas affordable, comme un raisonnable, c'est vraiment une situation très chaotique. Ils disent qu'ils veulent quitter l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud devient un pays xénophobique, ils ne sont plus à mesure d'accommoder le réfugié. Ils disent, envoie-le dans n'importe quel pays. Il y a aussi une rumeur qui dit que non, le Rwanda ou Rwanda a besoin des réfugiés congolais, ou Zambie a besoin des réfugiés congolais. Bon, c'était dossier à suivre. Moi, je vais descendre encore une fois sur le terrain pour suivre cela, voir si c'est la confirmation, si c'est Rwanda et Zambie décident d'accepter le réfugié qu'ils veulent quitter l'Afrique du Sud pour être hébergé là-bas. Un dossier sous vos chers téléspectateurs, ça fait très mal, c'est vraiment un problème, un dossier très critique qui frappe la communauté, plus presque les réseaux, les médias internationaux sont alertés, le gouvernement sud-africain est alerté, nous ne savons pas quel est leur plan les jours à venir, nous ne savons pas qu'est-ce que HR prépare pour la solution pratique de ces réfugiés qui passent la nuit dehors. Un dossier à suivre. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous nous donnez, José Bolois, à pouvoir venir dans vos petits écrans. Topé Sabinoba Update. Dans l'ambassadeur à lobby, Congo ici et Bongi, les réfugiés, Bazola, Libanda, Bazola, Xatana, Bango pour rien. Et Bazana, la solution, vous êtes à Copé Sabango, ou à l'Ingikobim en Afrique du Sud, à Zonga, à Congo, un ambassadeur, on a lobby en anglais, à Zonga, parce que politiquement parlant, guerre est allée sous Tumbeza en Congo, parce que le président Fachi a 5 écoutes d'ailleurs, à Congo, à Libanda, à Zonga, à Congo.
Ingénieur Soukami a réagi fortement parce qu'il a révolutionné. Il a parmi bateaux, ils ont mené campagne dans le bureau HR, dans le groupe de Mobima, l'équipe de Mobima très fort pour la Colombie en Afrique du Sud, qui est au Lembi, Bobi Misabiso, Liban d'Afrique du Sud. Tous en processus et xénophobique. Vous êtes un pays xénophobique, vous êtes maltraité d'étrangers, santé à malamouté, minsala ba molonga ba zana ngote, vous êtes bomaka ba tuna ba train, vous êtes discriminé ba tebele, alors tu en apposa to bima en Afrique du Sud. Alors, ingénieur Papi Soukama Lobiaza, content de la réaction de l'ambassadeur, il y a Congo, à Kogi Koloba, ba bêtise ou anate que Congo et Bongi, ba tuba zonga. Et pourtant, il y a évité nombre de réfugiés basés en Afrique du Sud. À Kiti, il y a un terrain, il y a un prétoire, il y a des conditions, il y a des réfugiés en Bazovan, il y a des Cape Town. D'ailleurs, il y a un ingénieur Papelo bien anglais. Ce qui est en Cape Town, il y a un sala, il y a un sala. Ou une réaction, ingénieur Papi Soukami, par rapport à la réaction, il y a ambassadeur, son excellence Ben Pop. Un dossier s'ouvre, chers téléspectateurs. Bon, mon indéni, que pensez-vous par rapport à cela, la situation des Congolais? Merci à vous qui nous écrivez. Boza et Bélé, Bozo Komenabiso, Bozo Pesabé, ma réaction à Bisso, ma réaction à Bino, la situation des réfugiés congolais à Wana, Afrique du Sud. Merci à maman Francine Nguyen de la Belgique, la grande dame et la patronne, Boss Moakito, il y a site, il y a congodialogue.com, site à bonne manière. Prof Bellon, merci à toi. Ozo comprendre les gars de ma grand-mère, Zanengwana. Donc, un dossier suivre, tous une nos conclusions, peut-être une suite favorable était à cher à Zolobanini, gouvernement sud-africain Zolobanini, au mafieux, il y a un ministère intérieur à Ozo, ceux qui prennent à réfugiés, non, le bilo comme côté, mais nos amis, en de Konabi, sont à Baye, Afrique du Sud, Bazo continue toujours là, à Libanda, Otozo, qui n'est qu'à peut-être 15e, 16e jour, un dossier à suivre. Moi, c'est Joseph Bolois, abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue pour avoir plus d'informations. Oui, à bonne manière, bien sûr. Restez branchés, bye.